Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une nouvelle recette anti-gaspillage avec un sirop de fraises. Alors il va être parfait pour badigeonner vos génoises, ou vous pouvez même le boire en sirop, ou vous pouvez le mettre également dans une salade de fruits. Alors je ne sais pas chez vous, mais nous on a toujours tendance à gâcher, on laisse beaucoup trop de fraises sur les queues. Vous allez voir, ce sirop est super simple à faire, ça va très très vite. J'espère que ma recette va vous plaire, je vous laisse la découvrir en images. Je récupère mes queues de fraises coupées, donc comme vous le voyez, il reste encore pas mal de fraises dessus. Alors j'en ai pour 100 g, donc je mets le même poids de sucre en poudre. Et je double le poids en eau, donc 200 g d'eau. Donc vous mettez le même poids de queue et de sucre et vous doublez le poids en eau. Vous faites bouillir le tout tranquillement et ensuite sur feu éteint, je mets un couvercle. Et je laisse macérer ainsi pendant à peu près une heure jusqu'à ce qu'il y ait un refroidissement complet de mon sirop. Ensuite, j'égoutte donc dans une passoire. J'écrase bien les fraises pour vraiment enlever tout l'arôme fraise et pour que tout le sirop ressorte bien. Je verse le sirop dans un bocal. Alors, essayez de le stériliser, c'est mieux. Ensuite, je le ferme, donc hermétiquement, avec un couvercle. Et ce sirop se conserve plusieurs semaines au réfrigérateur. Je vous ai dit, la recette est super simple. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à la partager. N'oubliez pas de vous abonner. À très vite pour une prochaine vidéo. Prenez surtout bien soin de vous.